Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui habites tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve-nous. Le Verbe s'est fait chair. Alléluia, alléluia. Et il habitait parmi nous. Alléluia, alléluia. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia. Sa gloire vient habiter les nations. Alléluia, alléluia. Je t'ai engendré de mon sang avant l'étoile du matin. Alléluia, alléluia. Dans la splendeur de ta sainteté. Alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 4. Un astre s'éleveur, Jacob, un amener en Israël, alléluia. Je suis le de ta loi. J'ai choisi un moi.
témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Psaume 19. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ce qui change ton passé, Seigneur, te rend grâce et s'avance en ta clarté. Le ciel resplendit. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Les sentinelles qui t'envoient le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis si long. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous les desseins qui les secondent, que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions, que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qui les exaucent. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Et il prie, il tremble. Nous réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ce qui cherche ta face, sont acclamés. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de joie, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphelin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais.
l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère et le feu les avalera. Leur fruit montera de la terre, leur semence contre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Élève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle, ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi, je marcherai devant toi, en nivelant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de fer. Livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, Israël mon élu, je t'ai appelé. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur, moi le Seigneur. Justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs. De Maurice Zindel, l'Épiphanie fête des signes. La fête de l'Épiphanie est la fête des signes que Dieu nous fait. L'antienne de la fête nous présente trois signes. Celui fait hommage, celui du baptême de Jésus où retentit la gloire de son Père, celui des noces de Cana
où l'eau est changée en vin. À travers ces signes, bien sûr, ce qui importe, c'est la manifestation de la présence de Dieu qui se révèle à travers des éléments sensibles. Notre univers a cette propriété admirable de pouvoir symboliser, de pouvoir signifier à travers le visible l'invisible. Et c'est justement ce pouvoir de transfiguration et de signification qui fait toute la grandeur et toute la beauté du monde et aussi toute la splendeur et toute la dignité de la vie humaine. Et justement, ce régime des signes est par excellence le régime de la révélation. Dieu nous parle par signes. Les mages ont vu l'étoile et l'étoile a lui dans leur cœur et ils sont allés vers ce cœur divin qui les attendait. Jésus a entendu la voix du Père à son baptême, cette voix qui était le signe que sa vie publique maintenant devenait une réalité que l'humanité ne pouvait attendre davantage. Et puis en effet, aussitôt après son baptême, Jésus embrasse sa mission en choisissant la voie dure qui va aboutir à la croix. Mais la croix n'est pas le dernier mot. La croix est le prélude de la résurrection. La croix est le prélude d'une transfiguration de tous les éléments du monde qui est symbolisée aux noces de Cana par le changement de l'eau en vin. Et toujours nous voyons la réalité tournée vers le mystère, toujours la réalité capable d'être la manifestation de l'esprit. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Le Seigneur a fait briller la lumière.
lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ, dans sa plénitude. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire des saints Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze. Et la lecture que nous venons d'écouter est celle choisie pour leur fête. Les dons que Dieu a faits par le Christ, rappelle saint Paul, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. Ainsi ont été Basile et Grégoire, des dons de Dieu à l'Église pour enseigner, corriger, mais surtout aimer le peuple qui leur était confié. Et si Basile et Grégoire sont unis liturgiquement en une seule fête, c'est que ces deux saints ont vécu en profondeur l'amitié spirituelle en Christ, telle que pourra la chanter Alred de Rivaux des siècles plus tard. Tous deux nés en Cappadoce, ils se rencontrent à Athènes lors de leurs études et se lient alors d'une grande amitié qui durera toujours. La même foi et le même désir de perfection, une sainte émulation mutuelle animent les deux étudiants. De retour en Cappadoce, ils font des projets monastiques. Mais l'Église a besoin d'évêques dynamiques et bien formés intellectuellement en cette période troublée par les hérésies. Basile devient évêque de Césarée, Grégoire évêque de Nazianze, le siège épiscopal de son père, puis de Constantinople. La forte personnalité de Basile en fait un évêque de premier plan qui défend la foi trinitaire. Il rédige également des règles monastiques qui sont encore en vigueur dans les monastères basiliens. Saint Grégoire est plus fragile. Ce saint évêque demandait continuellement son aide au Christ pour se relever et reprendre la route. J'ai été déçu, ô mon Christ, pour avoir trop présumé. Des hauteurs, je suis retombé au fond. Mais relève-moi maintenant, parce que je vois bien que je ne me suis égaré en moi seul. Si à nouveau je me fie trop à moi, je tomberai tout de suite, et la chute sera fatale.
Ainsi Grégoire ressentait le besoin de s'approcher de Dieu pour surmonter la faiblesse de son propre moi. Pour lui, dans le drame d'une vie sur laquelle pesait la conscience de sa faiblesse et de sa misère, l'expérience de l'amour de Dieu l'a toujours emporté. Tu as un devoir, ô mon âme. Avons-nous à dire comme saint Grégoire? Ton devoir est de trouver la vraie lumière, de trouver la vraie grandeur de ta vie. Et ta vie est de rencontrer Dieu qui a soif de notre soif. Saint Basile et saint Grégoire, si chers à nos fraternités, priez pour nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour tous les hommes qui te cherchent. Accorde-leur de rencontrer des témoins de ta résurrection qui sauront leur transmettre ta lumière. Nous te prions pour ceux qui, en cette année, se préparent à recevoir les sacrements du baptême, de la confirmation, du mariage ou de l'ordre. Accompagne-les de ton esprit de paix et de joie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour tous ceux qui, cette année, s'engageront au service des autres et du prochain. Accompagne-les de ton esprit de force et d'intelligence. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu as voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l'enseignement et par les exemples de saint Basile et de saint Grégoire de Nazianze. Accorde-nous de chercher humblement à connaître ta vérité pour que ta charité imprègne notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses.